Une nouvelle qui nous vient d'Alexandre Beauclair, c'est le retour de la pluie sur la capitale. Alexandre, vous êtes en direct de la place du Trocadéro, donc il pleut, c'est ça? Oui, Jean-Baptiste, puisque malheureusement les Parisiens se sont réveillés ce matin sous la pluie. Malheureusement, un adieu trop soudain à ce bel été, une fin de vacances donc légèrement gâchée. Merci Alexandre, je rejoins tout de suite Diane Arbel en direct de la place du Trocadéro aussi. Ok, donc juste passez-vous un coup de fil. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il pleut donc. C'est toujours sous le soleil que les Parisiens se sont réveillés ce matin, ici, place du Trocadéro. Les consignes de sécurité restent les mêmes. Il faut boire beaucoup d'eau, surtout hydratez-vous. En tout cas, c'est un bel été indien qui se profile sur la capitale. Attendez, pardon Diane, je comprends pas. Vous êtes sûre que c'est pas une éclaircie, juste au-dessus de vous? Écoutez Jean-Baptiste, je ne sais pas quoi vous répondre. Toujours est-il que le soleil brille sur Paris et dans le cœur des Parisiens. Donc, vous êtes en train de me dire que vous êtes à 50 mètres l'un de l'autre et qu'il fait pas le même temps, c'est ça? Oui. Alexandre? Bon, ok, en fait, je suis pas en direct. Pardon? Ok, en fait, j'ai enregistré ça hier, je suis en différé, voilà, je voulais un jour de congé, je suis désolé, j'avais besoin d'un day off, j'étais crevé, voilà. Tout ce que vous dites là, ça a été fait hier? Oui. Même votre réponse, là? Voilà. Du coup, vous avez prévu toutes mes questions? C'est ça. Et vous êtes allé jusqu'à prévoir que votre stratégie échouerait, que vous m'en feriez l'aveu, c'est bien ça? Voilà. Écoutez, on va retourner du côté de Diane Arbel. Ok. 4 x 2? Eh bien, je dirais environ 300. Donc, on peut affirmer aujourd'hui avec certitude que vous êtes une grosse conne, Diane Arbel. Évidemment. Alexandre, c'est quoi ce bordel? On se fout de moi? C'est Diane qui en différé, c'est ça? Je suis désolé, en fait, je la couvre. Je la couvre, en fait, c'était elle qui était fatiguée, ouais. Qui avait besoin d'un day off, qui était crevée. Et, en fait, je vous explique, c'est juste qu'elle m'avait promis un dîner. Ah, voilà, bah elle oui. Elle m'avait promis un dîner, donc moi, je devais la couvrir. Mais oui, parce que moi, je la trouve belle, alors voilà, je la trouve jolie. J'avais envie de... Très bien. Je voulais qu'on sorte au moins ensemble. Fermez-la, vraiment. Alexandre, vraiment. Du coup, est-ce qu'on pourrait me dire où se trouve Diane Arbel, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut la trouver, Diane? Tiens, là voilà, Diane! Vous êtes à l'antenne, Diane! Alors? Oui, Jean-Baptiste, je me trouve actuellement dans les locaux de Météo France où les experts tablent sur la chute des températures. C'est un caviste qui m'a. Oh putain! Et du coup, si on fait l'amour, tout le monde nous voit. C'est pas le moment, c'est pas le moment.